Bonjour à tous. Merci pour cet accueil. Écoutez, moi je suis là donc pour vous présenter les résultats de l'étude réalisée auprès des patients équipés d'aides auditives Odeo Marvel. Merci. Donc on a eu 252 patients équipés. Sans surprise, les résultats sont au regard de la croissance du produit, c'est-à-dire sont d'excellents résultats. Je vais vous les détailler et on va les relire ensemble et regarder. Mais avant tout, je voudrais faire un petit aparté. Je voudrais vous dire en fait pourquoi en fait c'est important de disposer d'études de ce type et pourquoi c'est important pour vous en tant que professionnel de santé audioprothésiste. Alors moi, je suis votre marché depuis 15 ans. Ça fait 15 ans que je réalise des enquêtes auprès des audioprothésistes, auprès des patients appareillés, auprès des patients non appareillés. Et pendant très longtemps, en fait, c'était un marché de valeur. C'est-à-dire qu'il y avait malgré tout peu de clients qui payaient un prix très cher ou cher, comme on l'entend. Un marché qui était très médicalisé, avec des professionnels de santé ORL qui les envoyaient en fait vers les audioprothésistes, et avec une très forte capacité en fait des audioprothésistes à faire accepter un produit à un prix. Il y a beaucoup d'éléments qui sont en train de se passer sur votre marché, le 100% santé, qui vont amener ce marché à évoluer. Alors, tout simplement parce que le consommateur de demain, ça va être un consommateur qui va être plus alerte et plus averti. Le consommateur en aide auditive, il va souvent sur Internet, il se renseigne souvent auprès de son médecin, et lorsqu'on regarde les besoins cachés des malentendants, c'est quand même de payer moins cher. Et le malentendant, tout comme tout consommateur, il a une logique qui est d'abord d'être très opportuniste, c'est-à-dire il va chercher la meilleure offre. N'étant pas expert, n'étant pas professionnel, il va trouver tout ce qui est nouveau, qui peuvent l'intéresser. Et le 100% santé, c'est quelque chose qui peut l'intéresser. L'idée de pouvoir payer moins cher. Le médecin, ORL, même chose, il aura peut-être aussi l'envie de pouvoir informer ses patients de la possibilité de payer des aides auditives moins chères ou sans reste à charge. Vous savez, la relation audio-ORL est toujours complexe. Les ORL considèrent souvent que les aides auditives sont chères ou très chères. Et donc, il va peut-être avoir en fait l'envie, ce qui se passe un petit peu, hein, ce qu'on constate déjà un ralentissement sur le marché, il va peut-être avoir envie de dire, bah, attendez, vous pourrez avoir des aides auditives moins chères. Et face à ça, en fait, vous allez rentrer sur un marché qui est un peu plus classique, comme ce qu'on peut avoir au niveau du medical device, à savoir bah, beaucoup de produits en fait, qui sont différents, mais qui ne sont pas ressentis comme étant différents par le consommateur. Et souvent, ce qu'on dit dans ces marchés-là, c'est qu'il y a un ventre mou de consommateurs qui ne dépensent pas beaucoup, et une certaine partie des consommateurs qui sont des consommateurs de valeur, un marché haut de gamme. Face à ça, c'est-à-dire face à des patients qui ne seront pas forcément alertes, et où par rapport à un corps médical qui ne sera pas forcément spécialisé, vous, ce que vous devrez faire comme option stratégique avec vos partenaires, c'est de repositionner en fait le bénéfice consommateur au centre du jeu. Et ça, vous pouvez le faire, parce que vous êtes légitime. Repositionner le bénéfice consommateur au centre du jeu, c'est de dire en fait qu'il y a différentes perceptions, différents produits, mais différentes perceptions perçues et différents usages et différentes améliorations. Et c'est à ce sens qu'elles doivent servir ces études. Elles doivent permettre de dire, effectivement, il y a différents types de produits, mais il y a sans doute en fait des produits qui répondent mieux à des besoins, qui apportent un meilleur enrichissement, une meilleure expérience, qui se traduisent par des chiffres incontestables et incontestés. C'est pour ça qu'on l'a fait aussi au niveau français, et cette communication, vous devrez la faire auprès de vos patients, auprès de vos ORL, auprès de vos collaborateurs. Ils servent à ça, ces études. Alors moi, je suis ravi donc de vous livrer les résultats de cette étude. Deux sujets qui ont été vus donc à travers cette enquête qui vient d'être réalisée. Elle a été réalisée entre avril et juin 2019, et je remercie en fait les partenaires qui effectivement nous ont aidés à la réaliser. Objectif, recueillir l'expérience de satisfaction et identifier les bénéfices perçus par les porteurs. L'enquête portait sur différents points, la satisfaction globale, le niveau de recommandation, la qualité sonore, l'autonomie des aides rechargeables, la compréhension des conversations dans un environnement bruyant et les améliorations perçues par les porteurs en renouvellement. Alors, quelques points sur notre échantillon. Alors déjà, c'est un échantillon statistiquement représentatif, c'est-à-dire 252 patients équipés, c'est beaucoup. Ça nous permet de faire des croisements, ça nous permet de faire différents tris. Et en tout cas, en termes d'intervalle de confiance et d'écart, on est en général, lorsqu'on donne un chiffre, il est vrai à plus ou moins 2% près.
Donc c'est un échantillon très fort. On a beaucoup d'enquêtes qualitatives qui existent sur ces marchés-là, sont intéressantes, c'est des témoignages. Ici, c'est une enquête quantitative, la validité statistique est forte. Dans notre échantillon, nous avons 54% de femmes et 46% d'hommes. Nous avons un âge moyen de 73 ans et réparti, on va dire, sur tout le territoire, puisqu'on a eu 13 départements qui sont ici représentés. 80% équipés d'aides rechargeables, 55% pour qui il s'agit du premier appareillage et 52% pour qui le premier appareillage date de moins d'un an. Je reviendrai aussi, ce sera intéressant, sur les 45% qui portaient déjà un appareil, parce qu'on étudiera ensemble plus particulièrement le bénéfice perçu auprès de patients déjà équipés. Alors les patients des porteurs des aides auditives, la première information qu'on peut avoir sur ce sujet, et sans surprise, c'est qu'ils sont très satisfaits et prêts à recommander leurs aides auditives. En ce sens, Odéo Marvel, c'est un gage de satisfaction, un gage d'expérience positif pour les patients appareillés. Et ça, c'est très net par rapport à tout type d'études qu'on a pu faire. Moi, dans le domaine des aides auditives, c'est pour le coup les meilleurs résultats que j'ai connus sont sur cette enquête. Au global, êtes-vous content d'avoir fait le choix d'acheter les aides auditives Odéo Marvel de Phonak ? Très content 37%, content 52%, soit un chiffre de satisfaction de 88%. C'est un très bon chiffre. À noter qu'on a seulement 2% de pas vraiment contents, puisque les 10% sont moyennement contents. 88%, c'est un très bon chiffre. Est-ce que, au-delà de la satisfaction, vous recommanderiez ces aides auditives à vos amis ou à votre famille? On a un chiffre très proche, avec 92% qui disent oui, dont 53% tout à fait. Alors, cette satisfaction et cette force de recommandation, elle va se retrouver à travers deux grands bénéfices perçus. L'excellente autonomie et la qualité sonore lors de la diffusion à partir d'un appareil électronique. Si on regarde les chiffres de perception perçue, alors on a demandé aux consommateurs par rapport à différentes phrases de se dire « est-ce que vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, moyennement d'accord ou pas vraiment d'accord ?» Première information, première thématique donnée, mes nouvelles aides auditives rechargeables fonctionnent en autonomie pendant une journée complète après une seule charge. 99% sont d'accord avec cette affirmation. Donc la promesse du produit est clairement démontrée, elle est clairement perçue. Deuxième, mes nouvelles aides auditives me fournissent une excellente qualité sonore et me simplifient la vie lors de la diffusion à partir de mon smartphone, à partir de ma télévision ou tout autre appareil électronique. Là aussi, on a un très bon chiffre de tout à fait d'accord ou d'accord, puisqu'on a 81%, 12% moyennement d'accord, mais globalement, perception très positive sur cette thématique. Nous avons également de bons résultats concernant la qualité sonore et la compréhension des conversations en milieu bruyant. Alors, ces deux attributs, en général, sont toujours moins bien évalués. On dirait qu'on parle souvent, notamment, compréhension des conversations en milieu bruyant, c'est un besoin orphelin, il est mal satisfait. Et globalement, c'est pour ça que vous avez beaucoup de patients qui, parfois, sur d'anciennes aides auditives, lorsqu'on est en conversation bruyante, ils les enlèvent ou ils sortent malgré tout. C'est dommage par rapport aux bénéfices des auditives, mais on a souvent ce besoin orphelin. Ici, on a encore d'excellents résultats. Mes nouvelles aides auditives me fournissent une qualité sonore exceptionnelle en toutes circonstances, 67% tout à fait d'accord ou d'accord. Et grâce à mes nouvelles aides auditives, je comprends mieux les conversations dans des environnements bruyants, comme le café-restaurant, 61% tout à fait d'accord ou d'accord. Alors, je vous disais tout à l'heure, on a sur notre échantillon 45% de patients qui portaient déjà des aides auditives, ce qui représente environ 120 patients. Là aussi, on a un échantillon robuste. On a essayé de savoir le bénéfice qui était perçu et l'amélioration perçue par rapport aux anciennes aides auditives portées. Alors, sans surprise, quand je regarde maintenant les chiffres de la croissance des ventes, sans surprise, on a d'excellents résultats sur la meilleure performance au global, la meilleure qualité sonore exceptionnelle en toutes circonstances et la meilleure compréhension des conversations en milieu bruyant. Alors pour ça, on a posé une question aux malentendants sur cette thématique. Par exemple, par rapport
à mes précédentes aides auditives, la performance globale des aides auditives Odeo, Marvel, de Phonak est-elle vraiment meilleure, plutôt meilleure, équivalente, plutôt moins bonne? 83% ont répondu vraiment meilleure ou plutôt meilleure. 15% équivalente. Donc une nette amélioration perçue à l'usage, un meilleur bénéfice perçu. Et là, tout de suite, vous avez des éléments et des chiffres pour challenger, je dirais, le 100% santé. OK, il y a des aides, mais est-ce qu'au final, on va rechercher la satisfaction rapide ou le bénéfice à l'usage ou l'amélioration? On ne parle pas des mêmes produits, on ne parle pas des mêmes bénéfices, on ne parle pas des mêmes choses. C'est intéressant par rapport à des produits qui existaient de se dire qu'en fait, en 2019, un produit innovant peut apporter un meilleur bénéfice consommateur, un meilleur bénéfice patient que lui-même est capable en fait d'évaluer. Toujours sur ces thématiques, par rapport à mes précédentes aides auditives, la qualité sonore, ma compréhension des conversations en milieu bruyant, est-ce qu'elle s'est améliorée ou pas? Alors, la qualité sonore en toutes circonstances, elle s'est améliorée dans 81% des cas, 28% indiquent plutôt améliorée, fortement améliorée, 53% plutôt améliorée, 17% est resté stable, et la compréhension des conversations en milieu bruyant, vous vous rappelez, c'était ce fameux besoin orphelin, on avait des notes moyennes un peu inférieures, et malgré tout, vous avez 68% des patients qui ont vu leur situation fortement s'améliorer, plutôt s'améliorer. Vous remarquez, quelles que soient les thématiques établies, que le pourcentage de patients qui indiquent ne pas avoir vu une amélioration significative, elle est faible, et que celles qui ont vu une dégradation est anecdotique. Ce qui est important aussi, quand on propose un bon produit, c'est que ça crée de la fidélisation. Même si ce produit est perçu comme peut-être plus cher, ce qui est important, c'est que des produits de qualité, ils apportent une satisfaction vis-à-vis du professionnel qui les a recommandés. Surtout lorsqu'on va porter ce produit 2 ans, 3 ans, 4 ans. Ce qui est important, ce n'est pas forcément d'avoir un produit de masse. Ce qui est important, c'est que ce patient vous fasse un bouche à oreille positif et revienne. Parce qu'il va avoir en fait ses aides auditives au quotidien. Et là aussi, ce que montre cette étude, c'est que les porteurs sont satisfaits d'avoir été conseillés et orientés vers Odeo Marvel. 9 porteurs sur 10 déclarent être contents que leur audioprothésiste leur ait proposé les aides auditives Odeo Marvel de Phonak. Même question, est-ce que vous êtes au final, par rapport au fait, est-ce que vous êtes content qu'on vous ait proposé et conseillé ces aides auditives? 44% très contents, 47% contents, soit un score global de contentement de 91%. Je vous remercie. Voilà, j'insiste vraiment par rapport à toutes les études qui peuvent être faites. Une étude, elle est forte quand elle existe, quand elle est communiquée, quand elle est communiquée, quand elle est relayée dans vos espaces. Et pour moi, je vois trois typologies de cibles. Vos collaborateurs, parce que régulièrement, les collaborateurs que vous formez ont besoin de pouvoir en fait justifier un prix plus fort, et ce sont des éléments qui leur permettent de le justifier, auprès des prospects et des clients, qui vont de plus en plus voir différentes offres, et on le sait très bien, auprès de discounters, auprès aussi d'audioprothésistes qui rechercheront parfois la facilité en proposant la classe 1, et puis bien sûr auprès des professionnels de santé, les ORL, là il y a un vrai travail, une vraie bagarre qui doit se faire de pouvoir expliquer quel est votre métier et expliquer les différentes composantes de vos offres. En ce moment, je termine une étude pour le GIFO. Le GIFO, c'est le groupement des industriels de l'optique. Ils nous ont sollicité sur le 100% santé. Ce qu'on voit comme parallèle, c'est que les consommateurs, finalement, quand on interroge un porteur de lunettes, il est très content de son opticien, il est très content de la qualité de la prestation, il est globalement fidèle, mais il trouve qu'il paie cher,
trop cher et il a envie de diminuer son reste à charge, alors qu'il est très content de son professionnel. Et il trouve que les lunettes sont trop chères. Ce que dit également cette étude, c'est que 25% des consommateurs sont prêts à payer un reste à charge de plus de 200 euros sur les lunettes. Mais ce que dit également cette étude, c'est que quand on interroge les consommateurs, 86% vont faire confiance à leur opticien, qui est, je dirais, maître à bord, pour pouvoir formuler la meilleure proposition. Donc tout l'enjeu, en fait, dans les marchés de la santé, optique et encore plus audio, c'est de rester maître à bord. Pour rester maître à bord, l'information, elle doit beaucoup plus circuler. Et une des manières de pouvoir faire circuler cette information, c'est de faire parler ce malentendant, de faire parler le malentendant à parier, parce que vous êtes le seul à pouvoir le faire. Tous les autres prismes de lecture qui arrivent en termes de communication, ce sont des prismes simplistes sur le prix, ce que vous trouvez en fait dans les médias ou ce que vous avez trouvé sur Internet. C'est des prismes qui vont chercher un premier niveau de communication. À vous de faire travailler le deuxième et à vous de faire parler vos clients. Cette étude doit vous servir d'appui pour ça. Je vous remercie encore une fois. Bien, bonjour Cyril, bonjour à tous. Bonjour à tous, bonjour Amélien. Cyril, ça fait un petit paquet d'années qu'on se connaît maintenant, plus d'une dizaine d'années même pour être exact. Moi je te connais bien, mais peut-être pas forcément tout le monde. Est-ce que tu peux peut-être te présenter brièvement pour l'ensemble de nos partenaires aujourd'hui, s'il te plaît? Oui, donc bonjour à tous, je m'appelle Cyril Dessel, j'ai été coureur cycliste professionnel pendant une douzaine d'années. Au sein des équipes Jean de la Tour, Fonac et H2R La Mondiale. Donc voilà, c'est lors de mon passage au sein d'équipe Fonac que j'ai été appareillé, puisque je suis malentendant. Et donc c'est à cette occasion qu'on s'est rencontrés. C'était en 2002 ou en 2003, il me semble. Donc j'ai arrêté ma carrière depuis 2011, fin 2011. Et après avoir touché à différentes activités, dans l'assurance, dans l'immobilier, aujourd'hui je suis revenu dans le milieu du vélo, où j'occupe les fonctions de directeur sportif au sein de l'équipe H2R La Mondiale. Merci Cyril. Donc ça fait une quinzaine d'années, un peu plus même peut-être, que tu portes des additifs Fonac. Tu en as vu passer hein, des technologies. Mais je crois qu'avec Marvel, il y a des points spécifiques, notamment sur la qualité sonore, qui t'ont assez bluffé. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, donc c'est vrai que depuis 2003, j'ai eu l'occasion de porter différentes prothèses auditives Fonac, des intra-auriculaires et puis des contours d'oreilles qui ont amélioré la qualité d'écoute. Et c'est vrai qu'avec Marvel, le son est plus puissant, plus pur et de bien meilleure qualité. Ça a vraiment été une différence très notable pour moi lorsque j'ai eu la chance de porter ces prothèses au mois de janvier. Quand on préparait cette interview, tu t'évoquais aussi ton profil de perte auditive. Donc, tu as une perte auditive surtout dans les aigus. Et je crois qu'il y a des choses qui ont changé aussi par rapport à ça. Oui, absolument. C'est vrai que ma perte auditive est axée sur les fréquences aiguës, très aiguës. Hein, les fréquences plutôt graves, je les entends normalement. Donc, la difficulté, c'est de corriger les aigus sans forcément toucher au son grave. Sinon, j'entends pas forcément mieux. Et c'est vrai qu'avec les aides Marvel, j'entends de nouveau certains sons très aigus, comme certaines sonneries que j'avais plus du tout l'habitude d'entendre et que j'ai retrouvé avec les prothèses Marvel. Et alors, comme à chaque fois, à chaque renouvellement, il y a une période d'adaptation. Les choses se font pas en claquant des doigts. Mais je crois qu'on a pu travailler un peu différemment cette fois-ci, ce qui t'a plutôt pas mal aidé. Oui, c'est sûr qu'avec toute nouvelle prothèse, il s'agit d'effectuer les bons réglages pour pouvoir bien entendre en toutes circonstances. Et c'est vrai qu'avec les prothèses Marvel, le fait de pouvoir apporter des réglages à distance sont plutôt appréciables, d'autant plus pour moi qui suis souvent en déplacement. Je suis souvent sur les routes aux quatre coins de la France. Et le fait de pouvoir apporter des réglages en étant tout simplement connecté face à l'ordinateur, en discutant en parallèle au téléphone pour expliquer des petites modifications qu'il faudrait apporter, c'est vraiment quelque chose de très appréciable pour moi. Et tu as une vie très active, j'allais dire marathonien, même si tu es plus dans le monde du cyclisme. Je crois qu'il faut que tu puisses compter sur tes aides auditives pendant toute une journée. Qu'est-ce qu'il en est avec Marvel? C'est vrai que l'avantage avec Marvel, c'est qu'il n'y a plus de piles. Hein. Les prothèses sont rechargeables.
et les ranger dans leur étui le soir et les récupérer le matin à toute heure, et les récupérer chargés sans avoir à se soucier durant toute la journée qu'il ne faudra pas changer les piles, qu'on ne va pas avoir une panne intempestive, qu'on a bien des piles sur soi pour les remplacer. C'est vraiment un confort qui est très, très appréciable pour les malentendants. Tu n'as pas de plaquettes de piles sur toi, là, du coup, aujourd'hui? Non, ça va, pas besoin de piles. Bien, dans Marvel, il y a aussi une grosse innovation technologique, c'est l'intégration d'une puce Bluetooth universelle à l'intérieur de ces aides auditives. Et je crois, encore une fois, liée à ta vie active, mais aussi personnelle, que tu en tires beaucoup de bénéfices. Est-ce que tu peux nous donner un ou deux exemples de ce que t'amène cette connectivité sans fil? Oui, bah après, c'est sûr que la connexion Bluetooth, ça peut paraître comme un gadget, mais aujourd'hui, je pense que tout le monde se sert souvent de son téléphone, et en particulier, moi, en tant que directeur sportif, je téléphone beaucoup, que ce soit en voiture ou en toutes circonstances, et c'est vrai que la connexion avec le téléphone est pratique, parce que ça permet de pouvoir téléphoner, répondre à des appels en toutes circonstances. En plus, c'est vrai que par le passé, j'avais eu un petit appareil, un petit boîtier qui servait de connexion, où il y avait souvent des problèmes de connexion Bluetooth qu'il fallait resynchroniser. Là, avec les nouvelles aides Marvel, pas de problème de connexion. Le Bluetooth fonctionne vraiment très, très bien, donc c'est vraiment très, très appréciable. Après, la connexion avec la télévision aussi. Lorsqu'on est malentendant, des fois, pour suivre des films, ce n'est pas toujours facile. On a tendance à ne pas entendre deux paroles sur trois ou trois sur quatre. Alors, sur certains films, c'est facile. On arrive à ne pas perdre le film. Mais dans certaines circonstances, ça, c'est plus compliqué. Et la connexion avec la télévision, elle est vraiment appréciable parce qu'il n'y a pas de décalage. C'est vraiment très, très précis. Ça permet de pouvoir regarder un film à la télévision avec d'autres personnes qui peuvent écouter le son à leur convenance de la télévision et régler soi-même le son du film dans les prothèses. C'est vraiment quelque chose d'appréciable. Très bien, merci beaucoup Cyril. Est-ce que, éventuellement, parmi vous, vous auriez envie de poser une ou deux questions à Cyril? On est normalement juste dans le timing pour ça. Normalement, il y avait des micros prévus. Est-ce que je peux avoir les micros pour qu'on puisse... entendre la question, parce que certes, il est très bien appareillé, mais à cette distance-là, quand même. Non. Ah. Alors, juste avant, on n'était pas passé sur Bilong, parce que justement, il y avait la connectivité. Donc, juste avant, c'était des Ventures qu'il avait, des Audéo Ventures qu'il avait. C'est juste avant qu'on change par les M90R qu'il a aujourd'hui, depuis mi-janvier à peu près, je crois, hein, c'est ça. Non, je fais quasiment plus de vélo. Je fais un petit peu de course à pied pour m'entretenir. C'est ce qui me permet de garder un petit peu la ligne. Mais j'ai plus le temps de faire du vélo parce que ça prend beaucoup de temps le vélo. On avait travaillé ensemble hein, sur des programmes spécifiques vélo, justement. Je me souviens que tu étais venu sur le parking de Fonac, oui, avec ton vélo faire des tests. En fait, oui, c'est vrai que sur le vélo, la difficulté avec les prothèses auditives, c'était la gestion du vent. La gestion du vent qui était un petit peu gênante. Et lorsqu'on atténuait beaucoup le ressenti du vent dans les prothèses, on avait tendance à perdre un petit peu l'apport en audition. Donc c'était un équilibre qui était difficile à trouver. Mais du coup, ça m'est arrivé de porter mes appareils sur le vélo, même si j'entendais quand même le bruit des voitures et tout ça. C'est plus les sons aigus. Donc les sons aigus, ce n'est pas trop le bruit des véhicules dans la rue. D'autres questions? Non. Bon, et ben, très bien. Merci beaucoup. En tout cas, merci Cyril pour ton intervention. Yep. Il n'y avait pas les présentations. Christian, je crois que c'est à toi pour continuer. Merci Amélien, bonjour à tous. Tu peux rester, reste Amélien. Avec toi, mais mets-toi dans un petit coin. Je vais me mettre derrière là. Et il prend un peu de place. Hein. C'était gratuit ça. Voilà. Mais assis-toi Amélien, mets-toi à l'aise, non, s'il te plaît. Je vais rester debout avec toi. Bon, merci d'être venu, merci d'avoir fait le déplacement vers nous. En principe, c'est nous qui allons vers vous.
Aujourd'hui, on voulait quelque chose d'un petit peu plus différent. Et vous verrez cet après-midi que c'est vraiment très, très différent par tous les ateliers qu'on a mis en place, que toute l'équipe de support technique et autres ont pu mettre en place pour vous, pour découvrir ces produits. Bien, donc ça fait un an en fait qu'on a lancé Marvel, octobre dernier. Et c'est vrai que quand on écoute le témoignage de Cyril, quand on regarde un peu les résultats et vous tous les jours, bien, on peut dire que les performances de ce produit ont vraiment dépassé toutes les attentes, toutes nos attentes et peut-être toutes vos attentes aussi. Marvel, quand on reprend un petit peu le fil, on a vraiment fait évoluer ce produit par rapport aux générations précédentes sur bon nombre de domaines technologiques. D'abord, la qualité auditive. On va revenir sur la qualité auditive parce que c'est encore essentiel. Quand on regarde les études de l'enquête Galileo, on s'aperçoit que bah oui, c'est très bien, 88% des patients sont contents. Ils jugent la qualité auditive plutôt bonne, mais quand on regarde un peu plus dans les détails, bah, il y a encore plus de 30% des patients qui, dans le bruit, ne sont pas encore vraiment très, très satisfaits. On a fait évoluer le produit aussi sur la connectivité. Ça, aujourd'hui, je pense que c'est un standard, c'est un must. Les appareils auditifs modernes se doivent d'avoir une connectivité efficace, de qualité. Et on rappelle que c'est encore le seul produit aujourd'hui qui permet une connectivité universelle avec iOS, iPhone et puis Android. Donc c'est quand même très, très intéressant, très important en termes de service et puis d'utilisation pour les patients. On a fait évoluer le produit aussi sur les questions de rechargeabilité, malgré tout. Donc on voit encore l'étude de satisfaction, 99% des patients nous disent pouvoir utiliser leur appareil toute une journée entière sans problème particulier. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, le rechargeable est vraiment un standard. 80% des produits qu'on vend aujourd'hui sont rechargeables et je pense que c'est une expérience que vous avez tous les jours. Et enfin, on a fait évoluer aussi le produit sur les applications qui permettent de pouvoir mettre le patient au cœur d'une expérience client riche, nouvelle aussi. Et ça, je pense que c'est un plus aussi depuis Marvel. Bien, aujourd'hui, Marvel 2.0, c'est quoi ? C'est plus. Plus, plus, plus. On a fait évoluer le produit sur trois grands domaines. Les performances auditives, je vous l'ai dit en introduction, c'est un point encore essentiel sur lequel on doit travailler. On a travaillé effectivement plus de connectivité, plus d'applications, permettre aux patients, à l'utilisateur d'avoir encore plus de possibilités avec ces appareils. Et enfin, plus de choix produits. Forcément, on avait démarré avec les écouteurs déportés. Forcément, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, du 23 septembre, vous avez la possibilité de pouvoir appareiller en contour d'oreille, on va dire puissant et surpuissant. Bien, revenons sur les caractéristiques quand même du produit. On a mené de nombreuses études. Si vous souhaitez voir ces études, vous allez sur le site internet ou vous demandez à l'équipe du support technique pour les avoir. Mais je vous parlais de qualité auditive, je vous parlais de meilleure compréhension vocale. Toutes les études nous montrent effectivement que le produit Marvel apporte des avantages supérieurs par rapport aux produits concurrents de même gamme. C'est essentiel, hein, essentiel d'avoir une intelligibilité meilleure dans le calme, mais aussi dans le bruit. On a pu montrer aussi, grâce à une étude, qu'on pouvait, grâce à l'utilisation de stéréo-zoom, réduire l'effort d'écoute dans des ambiances bruyantes. C'est important. Il n'y a pas que les performances auditives en termes d'intelligibilité, mais il y a aussi le confort et donc l'effort d'écoute. Et enfin, on a pu montrer, il y a un an, quand on a lancé le produit, on vous montrait une étude sur la diffusion Bluetooth. Je ne sais pas si vous vous rappelez l'étude qui avait été menée au Danemark, qui nous permettait de pouvoir juger la qualité auditive des programmes de diffusion. Et grâce à AutoSense OS 3.0, qui est la seule technologie encore sur le marché qui permet de faire une classification des programmes de diffusion, on a pu montrer effectivement que ça a apporté une bien meilleure performance et un bien meilleur confort pour l'écoute de ces signaux auditifs particuliers. Alors, allons-y maintenant sur plus de performance. Qu'est-ce que Marvel 2.0 va vous apporter ? On a fait évoluer AutoSense OS 3.0. Aujourd'hui, les études le montrent, encore une fois, c'est vraiment le système qui apporte performance et confort, quelle que soit la situation auditive.
Ici, l'idée, c'était de pouvoir faire en sorte que le système reconnaisse un plus grand nombre de situations auditives et faire en sorte de pouvoir adapter le programme idéal pour avoir la meilleure performance en termes d'intelligibilité et en termes de confort. Une étude a été réalisée récemment à Oldenburg, qui est disponible d'ores et déjà et qui montre effectivement la supériorité de ce système en termes de choix automatique de programme par rapport à d'autres produits. Mais ce n'est pas tout. Notre approche directionnelle n'est plus à démontrer, je pense. Je pense que Phonak est vraiment pionnier sur les innovations en termes de directivité. Pour ceux qui se rappellent, PIX, il y a déjà de très très nombreuses années, avait ouvert la voie. Notre idée est toujours la même, ça fait 20 ans. La seule possibilité pour pouvoir améliorer l'intelligibilité de la parole dans le bruit, c'est la séparation des sources. Séparer la parole, séparer le bruit, grâce à des algorithmes de calcul performants, et faire en sorte d'améliorer le rapport signal sur bruit. Ici, trois approches, on va dire, directionnelles spécifiques. Real Ear Sound, que vous connaissez dans le programme Situation Calme, qui permet d'apporter qualité auditive, mais confort. Ultra Zoom, dans le programme Parole dans le bruit, qui apporte déjà un rapport signal sur bruit et une directivité spécifique pour améliorer la compréhension de la parole dans le bruit. Et enfin, Stereo Zoom, basé sur la technologie Binaural Voice Stream, qui permet là effectivement de créer une vraie différence entre la parole et le bruit et d'améliorer les performances en milieu très très bruyant dans le programme Parole dans le bruit intense. Avec Marvel 2.0, on veut aller beaucoup plus loin. On veut permettre effectivement de pouvoir aller plus loin que les performances du Stereo Zoom. Et nous sommes bien conscients et nous sommes bien d'accord que l'intelligibilité en milieu bruyant dépend de la situation physique de l'utilisateur et de son interlocuteur. On sait très bien qu'un microphone d'appareil auditif au-delà de, on va dire, 2 mètres commence à perdre en sensibilité et forcément, là, le rapport signal sur bruit n'est plus très très bon et vous perdez en qualité et en intelligibilité. Grâce à Marvel 2.0, vous allez pouvoir découvrir et activer la fonction Roger Direct. Roger Direct est la technologie qui va permettre d'améliorer les performances de compréhension de la parole en milieu bruyant et permettre de pouvoir s'affranchir des problèmes de distance. Imaginez toutes les situations au restaurant, quand je suis dans une table assez grande, je suis à plus de 2 mètres de la personne qui parle, forcément avec une aide auditive conventionnelle, même si j'ai une technologie directionnelle adaptée et bonne, j'ai des problèmes. Avec Roger Direct, vous verrez qu'on n'aura plus ce type de problème. L'idée, c'est de pouvoir diffuser directement le signal auditif dans les appareils, sans sabots, sans outils externes, et de pouvoir profiter de la technologie Roger. Oh, regardez ça, les amis. Ce petit micro Roger m'envoie maintenant tous vos petits commérages dans les oreilles, même les plus coquins. Ça booste ces nouvelles aides auditives Marvel, c'est cool. Maintenant, je peux entendre tout le monde, même en plein vacarme. Oh, ça c'est pour moi. Ok, qui veut goûter de ma spécialité aux 3 fromages ? Associé ! Comme si un fromage ne suffisait pas. J'ai entendu. J'ai entendu. J'entends tout. Et là, tu entends ça ? Ouais. Plus qu'une aide auditive hors pair, c'est une merveille de possibilités. Un son riche et clair, connexion au smartphone, à la télévision, etc. Rechargeable, application intelligente. Marvel par Phonak, avec la technologie Roger. Une révélation dès le premier essai. Phonak, et la vie s'exprime. Bien. Fallait vraiment qu'on vous remontre nos docupines. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a un an, quand vous montrait les petites vidéos, fallait vraiment qu'on vous rappelle à leurs souvenirs. Je les trouve toujours excellentes. Bien, elles nous ont parlé d'un produit qui s'appelle le Roger Select, que vous connaissez déjà, puisque c'est déjà un produit développé sur la technologie Roger, mais qui a été développé, évolué. Et Roger Select va devenir Roger Select In, ou IN, si vous voulez, mais en France, on va dire IN, et pas 1, quand même.
Et l'idée, c'est effectivement de pouvoir intégrer directement le signal dans les aides auditives et de diffuser le signal. Alors, Roger Direct, c'est pas seulement, on va dire, de la technologie FM, c'est pas simplement transférer un signal d'un émetteur à un récepteur, c'est utiliser aussi une toute nouvelle technologie qui s'appelle le multibeam. Le multibeam, avec Roger Select, par exemple, vous aurez un système de 6 microphones qui vont permettre de pouvoir déterminer plusieurs faisceaux directionnels dans une même ambiance, dans une même situation, et pouvoir effectivement, de façon automatique, aller rechercher la parole ou les signaux de parole le plus fort et créer des rapports signal sur bruit spécifiques pour améliorer l'intelligibilité dans des milieux bruyants. Je vous recommande bien entendu les ateliers cet après-midi concernant Roger Direct. Vous allez avoir deux ateliers très très spécifiques, je n'en parle pas plus, je vous conseille simplement de faire ces ateliers qui vous donneront toutes les informations techniques, technologiques sur le produit, mais la chance de pouvoir écouter aussi, bien entendu, le produit. Grâce à cette technologie multibeam, les dernières études nous montrent qu'on améliore la compréhension de plus de 60% dans des conversations de groupe dès lors que nous sommes dans des situations bruyantes de plus de 75 dB. Donc, par rapport à un groupe d'utilisateurs, on va dire, d'aide auditive conventionnelle, la colonne en noir, ceux qui portent effectivement des appareils auditifs en Roger Direct et qui utilisent la technologie multibeam ont deux ou trois fois plus de chances de comprendre la parole en milieu bruyant et d'améliorer les performances. Alors, Roger, si je reparle de technologie FM, vous vous dites, ah ouais, mais Roger, c'est vraiment très très compliqué, c'est vraiment un système auquel j'ai jamais rien compris, parce que quel récepteur en fonction du produit, quel récepteur en fonction du besoin du patient, et qu'est-ce qui se passe si je perds les appareils? Et puis, ah oui, c'est vrai, j'ai appelé le support technique parce que ça ne marchait pas, mais c'était vraiment très simple, il fallait que j'enlève le petit autocollant sur les appareils pour activer la fonction Roger. Et puis, il y a des enfants, et donc il faut que j'utilise aussi des sécurités enfants sur le système. Donc, on se pose tout un tas de questions qui ne sont pas toujours évidentes, puisque ce n'est pas tous les jours que vous équipez des patients avec des produits Roger, et ça devient tout de suite très, très complexe, effectivement. L'idée, c'est vraiment ici d'avoir éliminé tous ces problèmes-là et de vous proposer un outil qui est vraiment très facile à utiliser en termes de programmation, en termes d'explication sur vos patients, mais aussi pour le patient, bien entendu. Bien, grâce à Roger Direct, tous ces problèmes, je dirais, disparaissent, grosso modo. Vous n'avez plus à réfléchir quel type de récepteur, puisqu'ils sont intégrés déjà dans les appareils. C'est la puce SWIRD que nous vous avions montré il y a un an, qui a été évoluée petit à petit. Maintenant, c'est la version 3.0 et qui permet l'activation de la technologie Roger dans les appareils. Plus de problèmes, effectivement, de sabots, plus de problèmes de sécurité, plus de problèmes de spécifiques, puisque là, ici, vous avez l'émetteur Roger Select et les appareils auditifs. Il suffit de mettre en marche et ça marche automatiquement. Voilà. Encore une fois, dans les ateliers cet après-midi, vous verrez quels sont les avantages de ce produit-là. Bien, Roger Direct, donc on parle effectivement de performance, on parle aussi de facilité. Donc, performance éprouvée, elles ont été montrées. 60% d'amélioration de la compréhension vocale en milieu très bruyant, dans une ambiance de plus de 75 dB. Aucun récepteur nécessaire, effectivement, et une utilisation beaucoup plus simple, beaucoup plus ergonomique, je dirais. Et là, je me dis que vous vous dites, ah ouais, mais moi, Roger, la FM, c'est pas pour moi, je fais pas d'enfants, j'appareille pas les enfants. Et puis, c'est cher aussi, c'est peut-être très, très cher aussi. Alors, le premier point, Roger, c'est pour tout le monde. Et si vous avez une étude qui a été menée en 2018 par Laura Bainé, qui est notre responsable produit, chef produit en Suisse, pour le groupe Sonova. Elle est allée dans un outil qui s'appelle Cooper. Je ne sais pas si vous vous rappelez, Cooper, c'est intégré dans Target. Si vous acceptez de pouvoir utiliser Cooper, on vous pose la question quand vous mettez en place le Target. Cooper va rechercher des données sur les appareillages.
Et on va récolter l'ensemble de ces données à travers le monde pour savoir comment vous utilisez le logiciel, quel choix prothétique en fonction de la surdité, quel choix en paramètres acoustiques aussi. Et ça va nous permettre d'avoir une vision quand même beaucoup plus précise de votre adaptation prothétique. Et je pense que vous êtes très surpris de voir que 56% des adaptations qui ont été faites ici en système FM avec un Roger Penn sont faites sur des surdités légères et moyennes. Et que 38% des adaptations qui ont été faites en système FM, encore une fois avec un Roger Penn, sont faites sur des surdités moyennes. J'ai été surpris, effectivement, de ce reporting, je dirais, sur 700 cas d'appareillage, parce que, comme tout le monde, en tant qu'audioprothésiste, j'ai appris et on m'a dit « Non, non, mais la FM, c'est fait pour des surdités sévères profondes et c'est fait pour les enfants. » Non, je vous dis qu'aujourd'hui, la FM, ce n'est pas fait uniquement pour les enfants et c'est surtout peut-être pas fait essentiellement pour des surdités sévères profondes. Bien entendu, plus la perte auditive est importante, plus on doit rechercher des technologies, des accessoires pour améliorer les performances auditives. Donc la Roger fait partie de ces outils-là. Mais quand on voit qu'ici, 40% des cas d'appareillage utilisent la technologie FM et donc Roger Direct sur des surdités moyennes, on se dit que là, effectivement, j'ai une opportunité de solutions qui sont proposées pour des patients auxquels je ne pense pas forcément aujourd'hui. Et moi, je vous donne des tas d'exemples. Patients jeunes, actifs, qui travaillent en entreprise, par exemple, qui ont des réunions. On sait très bien qu'au bout de 2 mètres, les appareils ne peuvent pas apporter un rapport signal sur bruit performant. Utilisons la technologie Roger. Et c'est vrai que jusqu'à présent, peut-être que les patients ne voulaient pas l'utiliser parce qu'il fallait des sabots, il fallait un émetteur, c'était gros, ce n'était pas esthétique. Là, vous avez vu l'effort qui a été fait en termes de performance, mais d'esthétisme aussi. Donc Roger Direct est vraiment une nouvelle opportunité pour vous. La possibilité de pouvoir offrir et proposer à un certain nombre de patients auxquels vous n'y avez pas pensé encore une solution spécifique. Bien, on va passer aux connectivités. Et là, je passe la main à mon ami Amélien. Merci, Christian. De rien. Assieds-toi, je t'en prie. Ah, mais moi, je vais m'asseoir parce que je suis un peu plus vieux que toi, Amélien. Un peu. Effectivement, la connectivité, c'est un des points aussi sur lequel on a continué à travailler. C'est le cœur de Marvel et de Marvel 2.0 grâce à la puce Sword, Sword 3.0 qui équipe aujourd'hui nos aides auditives et qui nous permet justement de réaliser cette connectivité. Alors, avec des choix stratégiques forts, avec l'intégration de protocoles Bluetooth, le Bluetooth classique pour tout ce qui est streaming audio, pour les appels main libre en binaural, le Bluetooth Low Energy pour la connexion aux applications, la programmation. Tout ça, ce sont des protocoles standards, ouverts. Hein. Il suffit, entre guillemets, il suffit d'appartenir au Bluetooth SIG pour pouvoir utiliser ce type de protocole. Mais la connectivité, ça ne s'arrête pas là. Il y a encore beaucoup d'autres champs d'application avec Airstream pour la télévision et le TV Connector, avec la technologie binaural VoiceStream qui nous permettent de faire communiquer ensemble les deux aides auditives pour créer des algorithmes comme Stereo Zoom ou Zoom Control. Et enfin, Roger, avec Roger Direct, c'est également intégré aujourd'hui dans Sword 3.0 pour se débarrasser de ces problématiques de récepteurs. Et tout ça sont donc toute une collection d'algorithmes, de protocoles propriétaires Phonak. Et le challenge, eh bien, c'est que tous ces protocoles puissent cohabiter, fonctionner ensemble sur une seule puce, avec une seule antenne, et qu'il y ait des transitions fluides et douces quand on a besoin de l'une ou de l'autre de ces applications. Et c'est le challenge qu'ont relevé nos ingénieurs avec cette puce Sword 3.0. Alors, on parle de plus, de connectivité, plus d'app. Alors, avant ça, oui, c'est la seule aide auditive qui se connecte, que ce soit Android ou iOS. Dès qu'il y a le petit logo Bluetooth sur un téléphone, par exemple, ça va se connecter, mais c'est vrai aussi sur les tablettes, c'est vrai sur les ordinateurs portables ou les ordinateurs tout court. Et ça, c'est un vrai plus que propose Marvel pour qu'il n'y ait pas de limite dans la connectivité. Dès qu'il y a du Bluetooth, la compatibilité est quasiment assurée. Alors, plus, plus, plus. More, more, more. Plus de connectivité aussi.
Vous avez été nombreux depuis l'année dernière à nous faire remonter que oui, un téléphone, c'est des fois un petit peu juste. Que oui, on a des gens qui sont actifs, qui ont besoin de se connecter à leur téléphone, des fois un deuxième téléphone, des fois un téléphone, une tablette ou un ordinateur portable. C'est aujourd'hui ce que vous pourrez faire avec Marvel 2.0. Deux appairages, une connexion à la fois, mais donc plus besoin de désappairer, de réappairer les différents périphériques en fonction de l'utilisation qu'on souhaite faire. Mais plus de connectivité, c'est aussi pour la télévision, sur le protocole Airstream. Parce que vous avez aussi été nombreux à nous dire qu'un TV connector, c'était très souvent juste. Beaucoup de patients ont plusieurs télévisions, que ce soit chez eux, leur maison de campagne. Eh bien, avec Marvel 2.0, vous aurez un deuxième TV connector. Mais on n'a pas voulu s'arrêter là, et vous aurez une troisième possibilité d'appairage sur le protocole Airstream, avec un nouvel émetteur, le PartnerMic, un petit émetteur qui se clipse aux vêtements pour des communications en face-à-face, optimisé. Et donc, ces trois accessoires pourront être appairés simultanément. Et en fonction de celui que je souhaite utiliser, eh bien, la connexion se fera sans avoir à regérer les appairages. Vous voyez, plus de connectivité, c'est ça aussi. Aller plus loin dans le nombre de périphériques qu'on peut connecter. On était bien conscient qu'un seul, c'était bien souvent limite. Aujourd'hui, avec Marvel 2.0, vous pourrez aller bien au-delà de ce qui était possible jusqu'à présent. Les apps aussi ont un rôle de plus en plus important. Et je dirais, la première chose qui a été revue avec MyPhoneHack 3.0, c'est de la simplification. Jusqu'à présent, vous aviez deux apps à télécharger. MyPhoneHack, si vous voulez faire du réglage à distance, le journal auditif, avoir le petit mode d'emploi des aides auditives, et puis Remote Control, d'un autre côté. Avec MyPhoneHack 3.0, toutes ces fonctionnalités sont réunies dans une seule application, MyPhoneHack. Donc avec une rubrique supplémentaire pour la télécommande qui est intégrée à MyPhoneHack. Encore une fois, on n'a pas voulu s'arrêter là, on a voulu donner encore plus de possibilités. Quand on regarde un petit peu les commentaires des utilisateurs sur App Store ou Play Store, sur ces applications, elles sont souvent mauvaises. Et quand elles sont mauvaises, c'est pour dire oh, bah, finalement, je ne peux pas faire grand-chose. Oui, gérer le volume, c'est bien, mais si je peux faire que ça, finalement, je peux le faire sur mes aides auditives. Avec MyPhoneHack 3.0, vous aurez accès à des fonctionnalités avancées au niveau de la télécommande, avec notamment la possibilité pour le patient de gérer l'équalisation de son réglage sur trois bandes, grave, médium, aigu. Il va pouvoir personnaliser son réducteur de bruit, personnaliser sa directivité. Il y a également la personnalisation de la dynamique qui est possible. Si on veut plus de confort ou au contraire plus de son faible, c'est également possible. Donc cette application MyPhoneHack 3.0 s'enrichit, se simplifie et s'enrichit en même temps. Et vous retrouverez toujours le réglage à distance, le journal auditif et les différents conseils sur les aides auditives qui sont connectées pour le patient. Voilà pour la connectivité et les apps qui s'enrichissent également avec MyPhoneHack 3.0 et Marvel 2.0. Christian. Merci, Emilien. Bien, plus de performance, plus de connectivité d'application et plus de choix, notamment plus de choix produits. On va commencer avec l'Odeo Marvel MRT, donc le tout en un. L'idée ici, c'est d'avoir un appareil auditif RIC, rechargeable, qui utilise une bobine d'induction. Donc c'est le complément de l'Odeo MR que vous connaissez aujourd'hui. Et bien entendu, vous retrouvez toutes les caractéristiques Marvel de ce produit-là, donc connectivité directe aux appareils Android iOS, Roger Direct, l'utilisation de la technologie binaural voice stream pour les programmes spécifiques en milieu bruyant, et l'appel main libre aussi, bien entendu, en termes de connectivité. Vous découvrirez cet appareil, tous les appareils dont je vais vous parler maintenant, dans un atelier cet après-midi spécifique produit, où on vous parlera des appareils et aussi de tous les accessoires, toutes les spécificités sur ce lancement Marvel 2.0. Ce produit sera disponible mi-octobre, le 22 octobre. Aujourd'hui, 23 septembre, c'est pour nous la date officielle du lancement de Marvel 2.0. Donc seront disponibles les produits Marvel Bolero pardon, en version M et Sky, dont je vais parler, et ce produit arrive un petit peu plus tard. Donc la gamme Odeo Marvel est maintenant très très complète.
C'est certainement la gamme la plus complète du marché qui offre autant de technologies ou en tout cas autant de combinaisons de technologies. Donc l'Odeo M312, l'Odeo MR rechargeable, le M312T et le 13T. Ces produits sont déjà connus, vous les connaissez déjà depuis plusieurs mois. Et maintenant, effectivement, l'Odeo MRT qui vient compléter la gamme de ces produits et qui reste sur le même design que la famille Odeo Marvel. Les écouteurs sont toujours, bien entendu, les mêmes. Écouteurs S, M et P, donc SDS 4.0. Et on reparlera tout à l'heure sur les écouteurs, puisque à partir de maintenant, vous avez la possibilité d'avoir des embouts sur mesure en titane, en version Slim Tip et en version Seashell. Le titane qui a quand même fait ses preuves et a montré son avantage dans tous les intra-titanes que l'on produit, que l'on fabrique déjà maintenant depuis plusieurs mois. Bien, Marvel 2.0, donc c'est l'introduction sur le marché du Boléro, donc le Boléro Marvel. Donc avoir un contour d'oreille ayant toutes les caractéristiques Marvel. Donc ici, vous découvrez les designs du Boléro MM en pile 312 et le Boléro MPR, contour d'oreille donc en version rechargeable. La version P existera uniquement en version rechargeable, c'est pour ça qu'il s'appelle le Boléro MPR, et viendra donc renouveler tous les Boléros en version Venture ou en version Bilong en P, et voire même en SP, puisqu'on a apporté un petit peu plus de dynamique et un petit peu plus de puissance aussi sur ce produit-là. On découvrait les plages d'application des deux produits, donc le Boléro M pile 312, c'est vraiment un très joli petit contour qui est dédié aux surdités, on va dire, légères moyennes, dès lors que les aigus sont touchés aux alentours de 70-75 décibels de perte. Et le Boléro MPR viendra lui corriger des surdités un petit peu plus importantes, moyenne sévère premier groupe. J'attire votre attention surtout sur la dynamique sur les fréquences graves dès lors que la perte auditive dépasse les 50 dB. Et si votre choix prothétique s'oriente sur un contour, il sera préférable de passer en Boléro MPR. Tous ces produits auront donc un indice de protection, bien entendu, IP68 pour la meilleure fiabilité et pour la plus grande robustesse. Petite précision, ce matin j'ai eu quand même le discours, le PR sera disponible à partir du 4 novembre. On est un peu désolé sur ce retard effectivement de lancement. On se doit aujourd'hui de pouvoir avoir les stocks qu'il faut pour pouvoir vous approvisionner, en tout cas livrer de façon correcte et ne pas se retrouver dans la situation que l'on a connue il y a un an, grosso modo. Donc dès aujourd'hui, le Boléro MM en pile 312 est disponible. Sky pour les enfants, et pas que peut-être, pour les adultes qui aiment la couleur, pourquoi pas. Donc trois premières mondiales, un AutoSense Sky OS développé pour les enfants. L'idée ici, c'est d'avoir développé une solution automatique de choix de programme adaptée au style de vie des enfants. Je vous parlais aussi tout à l'heure de AutoSense et ce que l'on a fait pour améliorer le système, donc reconnaissance de plus de situations auditives. Ici, effectivement, on en a la preuve. Les enfants n'ont pas le même rythme de vie que l'adulte, se retrouvent plus en classe, plus en récréation. Des situations auditives spécifiques, AutoSense, on a développé l'algorithme AutoSense OS 3.0 pour ce style de vie, pour pouvoir calculer ces ambiances spécifiques et passer dans le programme dédié. Bien entendu, Sky bénéficiera de la fonction Roger Direct. Ici, vous découvrez le design des contours M, MPR et MSP. Donc, la version SP en pile 13 sera disponible début d'année prochaine, en tout début d'année. La version MPR, comme le Boléro rechargeable, au 4 novembre. Et d'ores et déjà, vous avez la disponibilité sur la version M. Donc, diffusion directe aussi pour Sky depuis iOS et Android. C'est un requis Marvel aujourd'hui, effectivement. Alors Sky, c'est aussi Roger Direct, hein, c'est une fonctionnalité intéressante pour les enfants.
Donc vous avez bien compris Roger Direct, son avantage, c'est beaucoup plus petit, c'est beaucoup plus léger. Et puis c'est 100% de performance Roger. Vous voyez la différence. Là ici, vous avez un Sky M avec un sabot plus un récepteur Roger X. Vous voyez la différence en termes d'esthétique. Comme on dit, il n'y a pas photo. Il n'y a pas d'équivalence aussi aujourd'hui sur le marché. Donc quand on voit cette différence de taille, cette différence d'esthétique, de design, on se dit qu'aujourd'hui, tous les enfants, effectivement, s'ils le peuvent, pourront bénéficier de cette technologie Roger Direct. Qui dit nouveau produit, dit nouveau chargeur. Histoire de vous ennuyer un petit peu plus sur le choix des chargeurs, comme si vous n'en aviez pas encore plus déjà dans vos labos. On a dessiné un nouveau chargeur compatible pour les contours d'oreilles Marvel, mais aussi pour les Odeo. Tout simplement parce que votre retour, c'était de dire que le mini chargeur, le petit œuf, était très sympathique, il était très très agréable, mais je ne pouvais pas mettre des embouts sur mesure dedans. L'espace qui avait été dédié pour les embouts n'était pas suffisamment large et effectivement, votre patient n'avait pas la possibilité de pouvoir fermer ce chargeur. Donc ici, vous découvrez le nouveau chargeur qui s'appelle le chargeur Phonak BTE Eric. Donc il est compatible pour les contours et pour les écouteurs déportés. Il est plus gros puisqu'effectivement, il y a beaucoup plus d'espace pour pouvoir positionner ou placer les embouts sur mesure dans le chargeur. Vous découvrirez ce chargeur sur l'atelier produit cet après-midi. Donc la gamme des solutions rechargeables est aujourd'hui, on va dire, très très complète. Vous connaissez le chargeur premium ou le chargeur caisse combi, comme on l'appelle, avec son power pack qui permet effectivement d'avoir une autonomie étendue. Vous connaissez déjà le mini chargeur. Et maintenant, vous découvrez le nouveau chargeur BTE Eric pour les produits Marvel, contour et écouteurs déportés. Enfin, sur SDS 4.0, donc les solutions d'adaptation. Je vous annonçais la disponibilité des embouts sur mesure en titane en version Seashell et en version Slim Tip. La version Slim Tip, en fait, était déjà disponible depuis quelques mois, mais on souhaitait ne pas la diffuser de façon très très large pour avoir des retours d'expérience, des retours terrain. Et il se trouve effectivement qu'on a des très très bons retours. Pourquoi ? Puisque le produit est plus petit, parce qu'il est beaucoup plus fin. Le titane permet de pouvoir réaliser des coques très très fines et donc de pouvoir adapter un plus grand nombre d'oreilles, donc de positionner des écouteurs M ou des écouteurs P, là où avec un embout sur mesure en acryle, on ne pouvait pas le faire. Tout va dépendre encore une fois de l'anatomie du conduit auditif, mais là on a un système Slim Tip Titanium quand même très 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 intéressant. Donc robustesse, anallergique, plus fin, tout ça fait l'ensemble de l'adaptation prothétique, c'est-à-dire un appareil plus un embout, un système cohérent. Et enfin, on est allé jusqu'à développer l'embout sur mesure en Seashell, en version Seashell, titanium. C'est comme si vous aviez vraiment un intra titanium, donc vraiment très très petit dans le conduit auditif. On améliore encore le confort, on améliore la sortie de l'écouteur vers le conduit auditif, vers le tympan, donc on améliore aussi la qualité auditive. Et vous avez des nouveaux tubes fins, 4.0 pour les contours d'oreilles, que vous découvrez ici sur la droite de l'écran, avec une nouvelle taille, la version 00, c'est-à-dire pour des toutes petites oreilles, que l'on n'avait pas jusqu'à présent. Donc aujourd'hui, vous avez 4 ou 5 tailles disponibles, 0, 1, 2, 3, 4. Donc ça fait 5 tailles disponibles pour pouvoir adapter un plus grand nombre d'oreilles. Parmi les accessoires, il y a Roger Direct, mais il y a aussi une nouveauté qui s'appelle le Roger Partner Mic. L'idée, c'est vraiment d'avoir une palette d'outils intéressante pour les utilisateurs en fonction de leur mode de vie. Le Roger Partner Mic est un système qui utilise la technologie Airstream en termes de diffusion. Donc, ce n'est pas du Roger Direct. Roger Direct est beaucoup plus performant puisqu'il utilise, je vous rappelle, la technologie multibeam. Ici, c'est vraiment un transfert de signal
de l'émetteur Roger Partner Mir vers les appareils. Donc diffusion directe dans les appareils, pas de sabots, hein, pas de connectivité ou pas de, d'accessoires spécifiques. On va directement dans les appareils. L'idée ici, c'est d'avoir un petit outil très simple pour des conversations, on va dire, un pour un, au restaurant, en réunion, dans la vie de tous les jours, dès lors que le patient est limité en termes d'intelligibilité de la parole en milieu un peu bruyant avec ses appareils. C'est un outil qui propose une directivité permanente, c'est-à-dire que dès que je le clique ici sur la chemise, hop, il va venir rechercher ma voix, en fait, la parole avec une directivité spécifique, améliorer le rapport signal sur bruit et permettre effectivement un bon, une bonne qualité auditive, quelle que soit sa position. Simplicité d'utilisation, vous découvrirez ça cet après-midi. Je pense qu'on ne peut pas faire plus simple. On prend l'outil, on met en marche, automatiquement, c'est connecté avec l'appareil. Donc, l'idée, c'est d'avoir plusieurs solutions. Le TV connecteur pour la télévision, uniquement pour la télévision. Le partner mic pour la conversation, une personne à une personne en milieu bruyant. Et la technologie Roger Direct pour améliorer les performances dans les ambiances très bruyantes en fonction du mode de vie. Et la télévision aussi, puisque Roger Direct peut être connecté à la télévision, bien entendu. Voilà, donc ici vous découvrez la totalité de la gamme Marvel et donc des produits Marvel 2.0 qui sont présentés aujourd'hui. Tous les produits Audéo RIC en écouteurs déportés, tous les émetteurs Roger qui sont d'ores et déjà disponibles. Donc Roger In, ça veut dire qu'ils sont compatibles avec Marvel, ça veut dire qu'il n'y a plus d'interface, on est en connectivité directe entre l'émetteur et les appareils auditifs, donc le Roger Select qui utilise la technologie multibeam, le Roger Table Mic qui utilise aussi la technologie multibeam qu'on gardera peut-être plus pour des utilisations en entreprise dès lors qu'on est dans des espaces de travail très très larges, et le Roger Pen qui est un outil, on va dire, un petit peu plus spécifique, un petit peu plus friendly, hein, je le porte dans la main, il est compatible au téléphone Bluetooth et je pointe en direction de la personne qui parle pour aller rechercher sa voix et améliorer encore une fois l'intelligibilité de la parole. Les contours d'oreilles, la gamme Bolero, Bolero M et Bolero MPR, le M déjà disponible, le PR disponible au 4 novembre, donc à la fin du mois prochain, et la famille Sky avec le modèle MPR en version rechargeable et une version SP plus puissante, on va dire dédiée effectivement pour des surdités un petit peu plus importantes pédiatriques au début de l'année 2020. Et enfin, tous les accessoires sans fil. La télécommande Phonak Remote Control, j'en ai pas parlé, mais c'est une télécommande tout à fait simple, plus fort, moins fort, changement de programme. Par contre, Phonak Partner Mic et le TV Connector, qui sont des outils aujourd'hui intéressants pour l'utilisation en vie de tous les jours et la diffusion directe des appareils. Voilà, donc, c'était la présentation, on va dire, très standard, très classique. Les ateliers sont là pour rentrer dans les détails, avoir toutes les informations techniques et surtout écouter les produits. Et donc, je vous parlerai des ateliers qui vont démarrer en début d'après-midi à 13h30, qui vont permettront de découvrir ces produits dans les meilleures situations possibles. Merci. Bon. Je déplace la table pour mettre mon ami Jean-Marc à la lumière. Il adore ça. Il est très détendu. Bien. J'ai eu Jean-Marc au téléphone au mois de juillet, où il m'a téléphoné et il m'a dit « Quand est-ce que les produits Roger Direct sont disponibles ? J'ai un cas d'appareillage, j'ai un jeune patient qui souhaiterait pouvoir le tester, il est déjà équipé. Quand est-ce que c'est disponible ?» Je lui ai dit bah, « Pas tout de suite, à l'automne. » Puis là, ding, ça a fait tilt dans ma tête. Je me suis dit « Tiens, on a la présentation des produits au mois de septembre. » Eh bien là, j'ai un cas concret de quelqu'un qui va utiliser le produit et qui va venir nous parler de son expérience. Il les a comme ça. Mais je vous remercie d'accueillir chaleureusement Jean-Marc, s'il vous plaît. On va s'asseoir. Ça
ça sera plus tranquille. Voilà. Bonjour tout le monde. Bon, Jean-Marc est audioprothésiste, il travaille audioprothésiste à Toulouse. Voilà, à Toulouse, avec Paul Vidès dans le groupe Audial. Et donc, quand je lui ai proposé de faire un essai en avant-première sur Roger Direct, avec un cas assez particulier, il m'a dit oui, oui, avec plaisir. Mais il ne savait pas que j'allais que l'inviter. J'allais avoir le cadeau. Que j'allais l'inviter un peu après, quoi. Donc, tu vas nous parler de l'appareillage. Je vais vous présenter l'histoire de Simon, puisque Simon, c'est un jeune adulte qui a 26 ans. On peut déplier la diapo. Oui. Qui a 26 ans, qui est atteint du syndrome de Scheuer. Le syndrome de Scheuer, c'est un syndrome qui associe une évolution défavorable de l'audition et de la vision. Ça fait une dizaine d'années qu'on le suit. Il était déjà aveugle quand on l'a rencontré. Quand on l'a pris en charge, et il avait une surdité légère d'un côté et moyenne de l'autre. Cette surdité a évolué, et maintenant il est en surdité moyenne grade 3. Il est quasi à la sévère. Donc on a eu une évolution des besoins pendant ces 10 ans qui a nécessité une évolution du matériel, une adaptation. On a mis en place un système FM il y a à peu près 8 ans pour l'aider au niveau scolaire et dans tous les cours de locomotion. D'accord. Donc là, tu le suis au laboratoire depuis déjà une bonne dizaine d'années, grosso modo. En fait, j'ai suivi au CHU où j'avais prodigué des conseils. Et après, je l'ai récupéré au laboratoire pour essayer d'améliorer. Parce qu'il y avait un gros... Chez ce patient, il y avait un gros enjeu de locomotion, de déplacement. Il n'était pas capable de localiser. Comme il n'était pas capable de localiser, à 16 ans, son avenir, c'était être enfermé dans un foyer puisqu'il ne pouvait pas sortir et il ne pouvait pas se déplacer. Même avec un chien aveugle, il y avait des problèmes de sécurité. D'accord. Et donc, il était obligé d'être avec un accompagnant. Et donc, on a travaillé sur la localisation avec les profs de locomotion de l'Institut des jeunes aveugles. C'est là où eux m'ont expliqué comment les malvoyants localisaient. En fait, c'est avec l'écholalie, c'est des fréquences très, très graves. Et moi, j'ai expliqué comment fonctionnaient les appareils auditifs et quels étaient les algorithmes qu'on pouvait faire, quoi, utiliser ou pas utiliser. C'est là où on s'est rendu compte qu'en fait, en désactivant l'écobloc, ils avaient une grosse amélioration au niveau de la localisation, puisque comme ils utilisent les fréquences très très graves, c'est ce qui leur permet de savoir s'il y a une masse à côté d'eux. Ouais. Et lui, là, il a retrouvé un bon environnement. Comme ça, on l'avait amélioré, il était capable de sortir de l'institut, et on avait mis en place le système FM pour qu'à distance, le prof de locomotion puisse l'aider à se recaler et éviter les notions de danger quand il traversait ou quand sans l'avoir juste derrière, puisqu'avant, sinon, il était un mètre derrière, mais il la sentait. Donc, ce n'était pas représentatif de la vie réelle. Et l'enjeu était qu'il puisse devenir, quand on en était là, donc c'était il y a, je sais pas, il y a 26 ans, c'était il y a 6 ans, puisqu'ils ont arrêté de le prendre en charge à 20 ans, c'était qu'il soit capable de prendre de chez lui, puisqu'il habite en périphérie toulousaine, les transports scolaires pour pouvoir aller, être pouvoir autonome, aller au foyer et devenir, ouais. Et devenir autonome. Bon, donc tu l'adaptes en 2011 avec un système FM en SmartLink. Oui. Tu le renouvelles en 2014 avec un Sky 90, Q90, 312, avec la com pilote pour pouvoir utiliser le système FM, bien entendu. Oui. En 2016, tu le renouvelles en Odeo B 90R en com pilote aussi, hein, c'est sûr. Et donc là, tu renouvelles en 2018 avec un Odeo MR90, mais donc là, on n'a plus la FM disponible, donc il est en Bluetooth. On n'a plus le compilote. On n'a plus le compilote, voilà, c'est ça. On a la FM, mais on n'a plus le compilote. On n'a plus le compilote. Et en fait, Simon, c'est un jeune qui est actif, comme tous les jeunes. Après, il adore la natation, il a fait des compétitions de natation. Il faut savoir qu'en fait, les aveugles, quand ils nagent, pour rester dans leur couloir et pas aller sur le couloir d'à côté, ils ont un guide. Sauf que ce guide, ils ont besoin de l'entendre. Sauf que quand on a une surdité moyenne et qu'on est dans l'eau sans appareil, pour entendre le guide, ça peut donner des petites situations cocasses. Et donc, en fait, quand on avait fait les Sky, ils étaient IP67 et on avait essayé de le faire plonger avec. Mais avec les piles, on avait 3 minutes d'autonomie. Donc, on avait modifié l'appareil en lui mettant des batteries rechargeables, ce qui nous permettait d'utiliser à la piscine les appareils. Après, les Sky sont sortis en rechargeable, donc c'est quand même plus pérenne que les batteries à recharger. On a dépassé les 3 minutes d'utilisation. Non, avec les batteries, on tenait les compétitions. Donc ça, on le faisait marcher. Mais c'est surtout que c'était plus du bricolage et c'était sur un produit
fini. Fini, ouais, développé. Pas pour ça, mais en tout cas, pour qui ça. Et après, ouais. Comme quoi, la localisation reste quand même un gros enjeu chez lui, c'est vrai que derrière, et qu'avec les Marvel, on avait eu des premiers retours très positifs en fin d'année dernière, on lui a fait essayer les Marvel avec les résultats qu'on a vus. D'accord. Après, c'était un jeune qui adore lire, et donc il y a un livre audio, quoi, une liseuse. Sauf que sa liseuse, elle est faite pour les malvoyants et pas pour les malentendants. Donc il n'y a pas de Bluetooth dedans, donc c'est fait pour marcher avec un casque. Donc il y a une prise jack. Et après, il a un téléphone portable, comme on a tous et comme on a tous les jeunes, mais qui ont des synthèses vocales, ce qui leur lit tous les messages des différentes applications. Et après, ils ont des GPS spécialisés qui leur donnent des informations plus précises que ceux qu'on peut avoir voir, puisqu'ils ne voient pas. Ouais. Et donc ça, il faut l'interconnecter en Bluetooth. Et après, il a besoin d'intelligibilité en milieu bruyant, puisque la journée, il est en foyer où il a des activités et du travail. Et où il a besoin d'entendre. Et avec l'ODOB 90, on répondait à l'ensemble de ses besoins, puisqu'il nageait avec ses appareils, on avait fait des embouts fermés en intégrant l'écouteur, et ça marche bien, et c'était fiable, puisqu'on a eu une panne de micro en 2 ans, ce qui est compte tenu de quelqu'un qui va nager 3 fois par semaine, et plutôt pas mal. On connectait avec le compilote le livre audio via la prise jack, on mettait son téléphone portable en Bluetooth sur le compilote, donc ça, il aimait bien. Pour les communications téléphoniques. Par contre, il n'aimait pas pour toute la synthèse vocale, parce que le temps que ça commute, ça lui mangeait le début des messages. C'est-à-dire que quand le GPS disait tourne à droite, il entendait et à droite, ce qui était embêtant. Donc ça, il utilisait l'eau-parleur, et c'était quelque chose qu'il avait plutôt abandonné. Et après, il utilisait la FM en milieu bruyant, le smarting qui était ancien, mais qui lui donnait des bons résultats, des bons dont, résultats dont il était satisfait. Ouais, d'accord. Donc fin d'année, on a essayé les Marvel, et les retours avec les Marvel. Ils ont été à plusieurs niveaux. Il a trouvé que l'amélioration au milieu bruyant était mieux, mais surtout, il a trouvé que la spatialisation de la scène sonore était beaucoup plus détaillée, ce qui lui permettait d'avoir une meilleure localisation. Et ça, j'ai 2 aveugles, il y en a un autre aussi qui m'a redit la même chose. Donc, a priori, le signal leur paraît beaucoup plus nettoyé. Ils arrivent vraiment à mieux localiser. Ça, ça a été une bonne amélioration. L'autre chose qui lui a le plus plu, c'est que ce petit délai qu'avait le compilote quand c'était relié, il n'y était plus. Et que donc, il pouvait reconnecter toute la synthèse vocale de son appareil. Donc, écouter les messages. Et à 26 ans, on a une copine. Et c'est vrai que si on est à la maison avec l'eau-parleur, quand on reçoit les messages des copains, c'est bien parce qu'on peut les entendre. Si on peut les avoir en direct sans que les parents les entendent, c'est quand même assez sympathique. Par contre, comme on perdait le compilote, ben on perdait le livre audio, puisque du coup, ça, c'était pas possible. Donc, du coup, on est passé avec un TV connector, mais ça, c'était filaire et ça marchait que chez lui. Or, comme il a 30 à 40 minutes de transport en commun, ben, il aimait bien lire, comme plein de personnes, dans les transports en commun, et c'est quelque chose qu'il avait perdu. Et après, lors d'un rendez-vous de contrôle, il est venu nous dire que l'AFM, quand est-ce que ça sort? Parce que moi, dans les milieux bruyants, en fait, ça me manque un peu, quoi. Donc j'aimerais entendre mieux dans le bruit, j'aimerais connecter ma liseuse, j'aimerais avoir des meilleures performances. Je veux vivre comme toi. Et voilà, et je voudrais localiser correctement et dans le bus pour pouvoir être tranquillement sympathique. Et l'AFM lui manque effectivement. Quoi. Donc on a essayé au mois d'août, quand je lui ai adapté le Roger Select, et je l'ai revu 2 semaines et demie après, et il a trouvé que vraiment, par rapport à son ancien système FM, ça débruitait beaucoup mieux et que le signal était mieux nettoyé. L'autre chose qu'il a bien aimé, c'est que, puisqu'avant, avec l'ancien système, il fallait pointer quand on est aveugle, c'est quand même un peu compliqué. Bon, fait comme on peut. Là, le fait de le poser sur la table avec les doigts et le fait que ça soit tactile, même si au début, ça lui fait assez peur, parce que c'est un changement, puis il est assez stressé dès qu'il y a du changement, comme pas mal de personnes qui peuvent avoir des handicaps. Et donc, il peut arriver à sélectionner plus facilement et à identifier les directionnalités qui ont un avantage pour lui. L'autre chose que j'avais conseillé qu'ils ont testé, c'est que quand il mange avec ses parents, puisque là, c'était la période des congés, il pouvait sélectionner la directionnalité de ses 2 parents dans un restaurant, ce qui permettait aussi d'être plus efficace pour pouvoir parler avec eux. L'autre point, c'est que comme il y a une entrée jack, il a pu retrouver sa liseuse en mobilité et ça lui a bien plu. Et après, quand je lui ai demandé si c'était plus léger, c'était mieux de ne pas avoir les récepteurs, etc., sa réponse, c'est bon, oui, ça, d'accord. Mais surtout, j'ai un élément de moins à charger. Parce qu'entre sa liseuse, son téléphone, les appareils, l'émetteur FM, le récepteur FM, si on en supprime un, c'est quand même
une bonne notion de confort en plus. Donc les arguments du produit que j'avais présenté, meilleure performance dans le bruit avec Roger, ça, c'est vérifié. Plus de simplicité, aussi bien en termes d'utilisation. Que, voilà, que rechargeable aussi. Et puis effectivement, ça lui permet de pouvoir vivre une vie à peu près normale. Bon, je pense que c'est un exemple assez intéressant. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas tous les jours un cas comme Simon c'est appareillé. Je sais qu'à Toulouse, ils sont un peu fous, hein, parce que des gens qui vont à la piscine 2-3 fois par semaine, mais quand même, je les appareille. Donc, on aime bien repousser un peu les limites technologiques des produits. Vous avez donc, dit IP68. Le partenariat est plutôt très, très intéressant. Bon, l'idée, forcément, c'est de vous montrer qu'ici, on a un exemple un peu extrême. Mais quand même, dans cet exemple un peu extrême, on a un utilisateur qui se retrouve très, très content de son produit et qui lui apporte ce qu'il recherchait, performance, simplicité et pouvoir vivre normalement. Selon ton expérience, Jean-Marc, comment ça s'est passé au niveau de la programmation ? Est-ce que tu as rencontré des problèmes particuliers ou au contraire, tu as été surpris par la simplicité de programmation et autres ? Surpris, je ne sais pas, mais la programmation est très très simple puisque le process, je pense qu'on va le voir après. Oui. Mais le process, c'est d'éteindre les appareils, d'appuyer sur un bouton de couplage, d'allumer un appareil, ça active la FM dans l'un. On réappuie sur le bouton de couplage, on réappuie, donc c'est instantané. C'est une histoire de secondes. Et après, il y a la commutation, comme on la connaît. Donc c'est très, très simple. D'accord, donc en termes de connectivité, pour toi, c'est quelque chose qui roule, ultra pas de souci. Simple. Ça nécessite des explications, toujours un accessoire, un TV connecteur, un partenaire mic, un système FM, peut-être encore un petit peu plus. Comment tu as pu passer ces informations et comment Simon a pu récupérer, en tout cas, comprendre ces informations ? Quelque part, ça a été le plus compliqué, puisque sur l'ancien système, on avait des boutons. Les boutons, quand on est aveugle, on pouvait les identifier. Là, c'est un appareil qui est complètement tactile, donc on ne peut rien identifier. L'avantage, c'est que où qu'on appuie, on peut trouver une directionnalité par rapport aux 6 angles qui sont disponibles. Le bouton central, il est localisé au milieu, donc ça, c'est simple. Mm-hmm. Donc, c'était plus expliquer et lui faire essayer par rapport à l'appréhension qu'il pouvait avoir. La complexité, elle était là quand il n'a pas de repère. D'accord. Après, c'est à l'usage. Et le retour de ses parents a été que rapidement, il s'est fait à ça. Il a joué, entre guillemets, au début pour tester en famille. Il a Parce que tu l'as revu au bout de combien de jours ? 2 semaines et demie. Et je l'ai appelé avant de venir. Et là, il avait déjà complètement intégré l'utilisation du système. 2-3 jours. Hein. D'accord. Ça a été très rapide. Bon, donc là, on est dans un cas un peu extrême. Selon toi, quels sont les profils de patients idéaux que tu pourrais avoir pour pouvoir présenter ce genre de solution ? Le Roger Select, dans l'expérience qu'on a eue, on l'a fait pas mal. On en a fait quelques-uns en entreprise sur des gens qui travaillent autour d'une table. Je pense à quelqu'un qui est implanté et qui est responsable des achats pour une entreprise. Et il y a un point toutes les semaines sur les achats dont on a besoin en fonction des activités, mais qui peut être du consommable comme des papiers, comme les produits qui vont vendre et qui doivent rachalander. Et c'est vrai que le Roger Select avait bien répondu, c'est ce qui avait été le plus efficace des différentes solutions, puisqu'avec une ergothérapeute, on avait fait essayer plusieurs, c'est ce qui était resté le plus efficace. Le plus efficace. Mmh. Après, par rapport à une clientèle, la patientèle pédiatrique, je me pose aussi la question, avec les retours positifs que j'ai sur les adultes, si sur les lycéens ou fin de collège, en fait, dès qu'il y a un travail de groupe à plusieurs, et ce qui peut arriver dans des enseignements spécialisés, puisque maintenant l'éducation commence à faire ça, si ça ne vaudrait pas mieux le coup de les passer sur des systèmes comme ça qu'un Roger Touchscreen Mic. Je pense que je vais redescendre un peu mon âge. D'accord. Et tu m'en parlais aussi tout à l'heure, l'idée c'est d'ouverture vers l'adulte, parce qu'on n'y pense pas forcément, et vers l'adulte, on a une solution, là, pour le coup, simple, efficace, très simple à mettre en œuvre, qui permet de répondre à des besoins spécifiques, puisqu'on a vu encore dans les études que les adultes ont besoin d'améliorer leur performance dans le bruit aussi. Quoi. Oui, puisqu'après, j'avais un autre cas quand on en avait parlé. Oui, mais on n'a pas pu... Voilà, il est en congé, donc on n'a pas pu l'essayer. Mais... Bah, tu reviendras, on verra. Bah, écoute, merci Jean-Marc pour tout ce retour d'expérience, s'il te plaît. Ben voilà, c'est fait. Bien. Welcome everybody from all countries of the world.
Yeah, so proud to be here today to present to you more marvelous solutions, because we got so much positive emotion from our launch last year. That's why we create more love for you and your clients. Join us in enjoying Marvel 2.0 with more love at first sound than ever before. Everybody wants a Marvel. Everybody wants a Marvel to love. When it gets tough, when it gets tough, feels like a glove, feels like a glove. Sometimes I hear it bad, but I know my marble's there for me, and everything is gonna be alright. We need more, more, more. 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 Vous allez avoir toute la journée en tête cette chanson, vous allez voir. Everybody wants some Marvel. Bon, y a-t-il des questions? Oh là, plein. Allez, les micros sont là, n'hésitez pas. Je connais les réponses, vous verrez ça cet après-midi. Attends, Fabrice, t'as pas le droit de parler, toi. Oui, juste une petite question. Christian, tu nous as appâté avec le prix de ce super Roger Select, mais on l'a pas eu. Ça, c'est bon, ça. D'appâter et puis de pas donner la réponse tout de suite. Eh bien, écoutez, oui, vous savez que c'est un élément important. Maher Kassab nous a quand même dit que ce que veulent les consommateurs, c'est quand même des produits, mais aussi du prix. On a fait un effort considérable sur le prix, effectivement, du Roger Select. Je vous laisserai peut-être découvrir. Non, écoutez, je vais vous en parler. Jusqu'à présent, imaginez, vous avez deux appareils, il vous faut deux récepteurs, un émetteur. Un émetteur, si on prend un Roger Select, on va dire classique, on était à 1000 euros. Et 800 euros par récepteur, plus 1600, on est à 2600 euros. Donc effectivement, un équipement 2600 euros, dès lors qu'on a vendu déjà une paire d'appareils auditifs premium à 3500, 3600 euros, y a du mal à passer forcément, quoi. Nous, ce que l'on voit, c'est que d'abord, vous avez des patients qui ont expérimenté depuis plusieurs mois les produits, les Marvel, qui ont trouvé qu'il y avait une amélioration sur l'audition, mais que dans certaines situations, ils demanderont peut-être à améliorer l'intelligibilité de la parole dans le bruit. L'information que je vous donne, qu'on va vous rabâcher cet après-midi, c'est que pour pouvoir bénéficier de ces innovations Marvel 2.0, il faut faire une mise à jour des appareils. Donc à partir du moment où les patients vont revenir en test, que vous serez obligé de faire cette mise à jour des appareils pour pouvoir activer les nouvelles fonctionnalités, vous aurez l'occasion effectivement de proposer les nouvelles solutions. Un Roger Select aujourd'hui sera vendu 900 euros prix public. C'est-à-dire qu'on a divisé le prix par
par trois pratiquement. On est très convaincu qu'aujourd'hui, un grand nombre de patients ont besoin de ce genre de technologie. On a fait cet effort de prix, qui est vraiment très, très considérable, pour vous permettre de pouvoir avoir ces opportunités-là. Merci. C'était ça? Tout le monde avait la main pour le prix? Alors, les commerciaux sont là dans la salle, ils ont des bons de commande avec des offres de lancement. N'hésitez pas à aller les voir. Yes. Vous aviez un truc génial qui était le téléphone DECT fixe, en fait. Oui, oui. Voilà, alors je sais que c'est, on peut faire avec les nouvelles technologies une autre alternative qui est d'avoir un gigaset par exemple, ouais, et de commuter en Bluetooth. En Bluetooth. Mais j'ai une patiente qui passe 200 coups de fil par jour en fait, et son truc, le DECT, était juste parfait pour elle parce qu'elle n'a pas envie d'activer systématiquement ouais, le bouton pousseur sur son appareil. Ouais. Est-ce qu'on verra bientôt une alternative au DECT? J'ai un scoop aussi que je voulais vous donner, mais j'en profite. Evert, est-ce que tu veux bien te lever? Merci d'applaudir Evert Dijkstra, s'il vous plaît. Evert, vous allez le rencontrer cet après-midi. Il anime les ateliers. C'est le responsable développement et diffusion des produits FM et Roger Monde. Il est dans le groupe depuis un peu de temps. On l'a invité parce qu'il parle français. Ça, c'est cool, parce que sinon, c'était vraiment très, très compliqué. Donc, Evert pourra répondre à toutes ces questions d'ordre technique et même plus loin, effectivement, en termes de développement. Pour répondre très rapidement à ta question, non, il n'y aura pas de développement DECT sur ce produit-là par rapport aux technologies qu'on vient de voir. Mais on en discute beaucoup. C'est vrai que la téléphonie est un problème particulier. Il y a les téléphonies de masse, et là, c'est le smartphone. Et quand on voit aujourd'hui la pénétration du smartphone chez les patients de plus de 60 ans, ben on se dit qu'il faut axer nos efforts de recherche sur les smartphones. Mais il y a aussi la téléphonie spécifique, qui est celle qu'on utilise plutôt en entreprise. Et c'est là où ce qu'on appelle le work-life, c'est-à-dire tous les outils qu'on utilise pour l'aménagement des postes de travail en entreprise, peut répondre à ces besoins-là. Donc James et Christian Gauthier sont là dans la salle et ont des solutions avec TableMic 2, par exemple, pour ça. Excusez-moi, Christian, et qu'en est-il du Cross Marvel? Alors, eh bien, au lieu de répondre à cette question 300 fois dans la journée, malheureusement, le Cross Marvel ne sera pas disponible. Nous avons commencé le développement de ce produit et puis on s'est rendu compte assez rapidement des problèmes technologiques qu'on pouvait rencontrer, notamment en termes d'autonomie et puis en termes aussi de qualité de transfert du signal. Donc, vous n'aurez pas de Marvel Cross disponible. Par contre, les équipes avec Evert travaillent déjà sur une nouvelle technologie pour la prochaine plateforme. C'est-à-dire qu'on espère vous proposer une solution beaucoup plus complète et beaucoup plus performante que ce que vous avez aujourd'hui, on va dire, à l'horizon 2021, à peu près. OK ? On a faim ? Ah, c'est bon ça. Oui, Guillaume. Et quand est-ce qu'on pourra avoir des appareils puissants rechargeables ? Alors, les appareils puissants rechargeables sont en développement. On est très confiant sur le développement de ces produits-là. Encore une fois, donc vous allez avoir un SP en début d'année 2020. On travaille effectivement là depuis un moment sur un UP. Développer une version UP, c'est quand même très très complexe. C'est pas parce qu'on met un écouteur plus puissant que ça marche. Il faut développer tout ce qui va avec, l'ampli, et après toutes les fonctionnalités d'alimentation, de stabilité du signal, de gestion du larsen, larsen acoustique, larsen mécanique aussi. Donc la version UP est en développement aujourd'hui. Et je pense qu'à l'horizon 2021, effectivement, début d'année 2021, vous aurez une solution en technologie Marvel, voire prochaine plateforme. Et les lasers CRT, est-ce que c'est prévu en technologie Marvel?
Non. Non, parce qu'on a le pile 13 avec l'écouteur P. Alors effectivement, le pile 13 ne répond pas dans tous les cas par rapport à un IDAS, donc un écouteur déporté. Mais avec l'écouteur pile 13, quand vous reprenez la gamme d'applications, vous avez une dynamique sur les graves quand même qui est assez intéressante. Vous pouvez descendre jusqu'à 50-60 décibels de perte dans les fréquences graves. Donc le NIDAS CRT peut être remplacé très avantageusement par un Marvel 13T avec un écouteur P. Ou un écouteur SP, mais à ce moment-là, effectivement, avec les contraintes que l'on connaît. Mais pas rechargeable. Mais pas rechargeable, non. Non, 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 non. On est déjà à 80% de rechargeable. Je vois que vous en voulez encore plus. On va monter à 90, 95, 100% de rechargeable, effectivement, sur le marché. Mais je comprends, c'est la demande de l'utilisateur, effectivement, d'avoir des solutions de ce type-là. Bonjour. Bonjour. La famille Sky repasse en classe 2 ? Très bonne question. Oui, me dit Amélien. Je te propose de discuter avec Amélien. C'est lui qui a quand même développé la nouvelle nomenclature des produits avec le SNITEM et avec nos autres confrères, on va dire, partenaires. Amélien est vraiment très, très au fait, effectivement, de ses positionnements produits en fonction de la loi 100% santé. Mais il me fait comme ça, donc oui. C'est une très bonne question. Merci. Bien. Allez, avant de partir dans... Oui. Monsieur Videz. Merci, Christian. Je reviens sur l'étude de Marvel qui a été réalisée, qui, je trouve, est un véritable vecteur de valorisation de notre métier. À qui allez-vous la diffuser, vous ? Partenaires ? Alors oui, on la diffuse à nos partenaires audioprothésistes. Comme a très bien dit Maher, c'est vraiment un outil de communication. Je pense qu'il faut qu'on soit vraiment très, c'est pas conscient, mais les aides auditives qu'on développe, que vous adaptez tous les jours, apportent des résultats vraiment très, très bons. Et à partir de ce moment-là, il faut diffuser cette information pour que d'abord les patients puissent la voir et puissent se sentir plus en confiance dès lors qu'ils vont chez un audioprothésiste pour se faire appareiller. Ensuite, on va la diffuser aux partenaires. Après, c'est libre à vous de la diffuser, je dirais, vers vos prescripteurs et vers les personnes qui sont dans le milieu de l'audiologie. Une orthophoniste, par exemple, doit savoir quelle est la réaction des malentendants par rapport à ces nouvelles technologies. Toutes les personnes qui sont en contact avec un malentendant, qu'il soit enfant ou pas, doivent connaître effectivement ces résultats, ça c'est clair. Et les médecins ORL, bien entendu. Voilà. Bien, du coup, je me permets juste de prendre la parole 2 secondes. Non, pour clarifier. Ah bon ? Oh là, moi je m'assois. À tout le monde. Non, juste 2 secondes. Je ne parlerai pas longtemps. Après, s'il y a des questions, avec plaisir pour échanger. Donc, oui, tous les Sky seront en classe 2, en 50, 70, 90. On a commencé à recevoir les validations de la DSS sur les dossiers qu'on a déposés. Donc, oui, tous les Sky dans la gamme Marvel seront en classe 2. Sans exception. Oh, tu as été rapide. Bien, les ateliers cet après-midi, donc programme très lourd pour vous. Vous avez sur vos badges un petit code de couleur. Il y a différentes couleurs, vert, rouge, mauve. C'est l'appartenance à un groupe. Donc s'il vous plaît, restez dans vos groupes, d'accord, de façon à ce qu'il n'y ait pas de problématique. Les ateliers ont été définis pour un nombre précis de personnes. Au dos de ce badge, vous avez le programme. Et donc, vous avez les 5 ateliers que vous allez faire cet après-midi. Le atelier numéro 1 concernant donc Roger In, atelier numéro 2, les e-solutions, atelier numéro 3, revenir sur la puce Sword, ses avantages, qu'est-ce qu'on peut en faire. L'atelier numéro 4, c'est les solutions pédiatriques. Et l'atelier numéro 5, produits Marvel 2.0 et Target 6.1. Ici, vous avez l'ordre de passage. Donc, sur chaque badge, vous avez l'ordre de passage des ateliers. Les ateliers sont ici. Donc, nous sommes sur la flèche rouge, l'auditorium. On va quand même manger. Effectivement, donc c'est
au niveau du 5. Et ensuite, vous avez les ateliers 1, 2, 3, 4 dans les différentes pièces. Mais ne vous inquiétez pas, ils sont tous fléchés, ils sont tous bien, bien indiqués. Voilà, donc faites bien l'ordre de passage des ateliers comme c'est indiqué sur vos badges, s'il vous plaît, puisque les groupes ont été faits en fonction pour pouvoir en profiter au maximum. Je vous remercie de votre attention, je vous souhaite un bon appétit et on est présents. Positive emotion from our launch last year. That's why we create more love for you and your clients. Join us and join Marvel 2.0 with more love and first sound than ever before. Everybody wants a Marvel. Everybody wants a Marvel to love. A Marvel to love. A Marvel to love. When it gets tough. Feels like a glove. Like a glove.